You know, a lot of games, actually, the way they're created, they're a reflection of the teams that make them. Wow. Shut up! The little bunnies, the rabbits. It was a lot of different sort of accidents of the workplace. So when we're starting the conception side and the creative part of it, there's a lot of the dev team within the sort of idea at the base. When we first starting out with sort of Rayman, he was looking for this ultimate enemy, which happened to be this idea of it was this cute little bunny rabbit who was a little bit crazy. And that became sort of the base of the story. And then obviously the artists like Hubert started drawing out and sketching out different ideas of what a bunny could look like. Mon inspiration sur les lapins crétins, c'est directement une requête de Michel Ancel. On travaillait sur un Rayman où il était question d'un enfant accidenté dans un hôpital, enfin une chose très grave avec un désir d'avoir l'air sérieux et tout ça. Il est arrivé un lundi matin en disant « Bon les gars, j'ai une autre idée. Les lapins sont très mécontents, ils vivent sous terre depuis trop longtemps, ils sont très frustrés. Ils ont décidé de sortir et de venir foutre la pilée au genre humain. Wow. » Il avait fait un tout petit dessin, très petit, hein, vraiment comme ça, sur un carnet. Et il m'a donné ce dessin en m'expliquant qu'il voyait un truc un peu à la Arctoy. C'était une série d'objets qui arrivaient à l'époque du Japon et puis qui a disséminé un peu partout dans le monde. Des objets très design, très simples, avec des peintures satinées. Il voulait qu'on s'inspire de cette esthétique-là. Et donc c'est à partir du croquis et de ce brief-là que j'ai sculpté le premier lapin. And if you sort of know the team in Montpellier back then, it was all a little bit, they were all a bit these little crazy little rabbits. They were all these sort of four-year-old petulant little developers back then. And that's what kind of made it fun, because they were kind of crazy and insane and just like always get distracted by everything and change ideas. And it was a different time in game development. We were small teams. We were about 40 to 50 people. So it was a very, it was very a collective experience. Je me rappelle, on faisait des mini-jeux, par exemple. Il y avait un jeu où on avait mis des palmes, tout ça, et puis se tirait avec des pistolets à eau, et on criait, on rigolait, on s'engueulait. Donc, et en fait, c'est ça qui était retranscrit dans le jeu. Nous, on réfléchissait à des mini-jeux, on disait, bon, ben, il va faire ci, il va faire ça. Par exemple, une fois, on avait enregistré la foule des lapins. On était tous dehors dans la cour. On était tous sortis, et puis on était là, puis on gueulait et tout. Je me rappelle qu'il y a même les voisins, sont tous arrivés, ils disent, qu'est-ce qui se passe et tout. Ils sont fous. Et on était là, donc oui, c'était un, en gros, c'était nous, c'était notre caractère, on s'énervait. Toujours les devs, c'est ce qu'on fait. Des fois, on est là, on est gentil, puis après, on se met en colère pour un truc, et on passe, on change d'émotion comme ça et tout. Et pour moi, c'est ce qu'étaient les lapins. Quoi. The voice things, it's always the same thing. When you start a game, a lot of the time it's either they're placeholders. So you just take voices of people who say things, you know, and whoever can do the voice, you throw them into the game and you record them upstairs quickly and they stay as placeholders. One of the guy who actually did the voices, which is Yoann or Popo, the funny thing is in the studio anyway, whenever you're having a meeting or a conversation, he's always doing crazy noises. So he's always interrupting a conversation with a scream or whatever, a random noise. And it was like coming into E3. So we were preparing sort of a series of videos and stuff to show at E3, because it was the start of the Wii, the first year the Wii hadn't been announced yet, and we were preparing sort of this sort of secretive release of the game. Et du coup, donc, on a enregistré des sons, et comme je ne savais pas trop ce que vous faisiez, bon, j'ai fait n'importe quoi, enfin, je faisais des bruits, des voix avec des bruits, tout ça. Et je me rappelle toujours, le lendemain, j'étais revenu au studio, et tout le monde qui était mort de rire et tout, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout, et si, mais t'as vu les bruits qu'ils font, les trucs, c'était même rigolo, c'était même plus des méchants. Et fil en aiguille, comme ça, chaque fois, il m'appelait pour faire des placeholders en attendant après qu'on soit validé, qu'on fasse le jeu. C'est une autre époque, c'est une époque où le matin, un artiste sculptait un personnage, l'après-midi, il sculptait un vaisseau,
Le lendemain, ils faisaient de l'animation, l'après-midi de l'éclairage. Enfin, on passait tous d'une tâche à l'autre de manière très, très fluide. Et là, quand il a été question de chercher une voie pour ses lapins, c'est un gars de chez nous, un ingénieur, qui a fait la meilleure prestation. Et il est devenu la voix des lapins. Moi, quand j'entends les lapins, c'est Popo que je vois tout de suite. C'est lui, quoi, avec son crâne rond, son œil gentil. Il a un air un peu malicieux en même temps. C'est lui que j'entends, en fait. Comment je me suis retrouvé dans l'aventure des lapins crétins ? Eh bien, un jour, on était en fin de journée à Ubisoft. Je faisais les voix des petits êtres dans Rayman, et puis plusieurs petits personnages, des petits pirates, etc. Et on n'était que deux avec l'ingénieur du son, et il y avait une cinématique. Bon, il y avait les petits êtres, je ne me rappelle plus trop exactement ce qui se passait. Il y avait Rayman, et il y avait deux personnages qui étaient derrière, et qui passaient comme ça. Et on regarde sur le truc, mais il n'y avait aucune instruction. Je pense que Yoann Perrier devait faire quelque chose dessus. Mais moi, dans ce moment-là, la cinématique devait partir et il n'y avait rien d'écrit. Et on appelle les gens sont vraiment partis. Il est 17h, voilà. Et on me dit, ils avaient des grandes dents, ils passaient en ouvrant complètement la bouche. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Et donc, on avait tous les personnages et ils passent et je fais... Voilà. I can't imagine today the bunny without that voice. I can't imagine I think it's so expressive and international because it's onomatopoeias. There's no language that's on the voice today. So whether you're in Japan or whether you're in China, or whether you're in Africa, or whether you're in England or whether you're in France or Italy or whatever, it's you always understand the expressiveness of what the rabbit wants to say or the message that he's trying to put across. It's kind of like this living vocal emoticon. Bwaaah. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ouais, j'aime bien ça. C'est celle-là qui c'est celui que j'aime préfère personnellement. On reste là-dessus ? Ouais. On peut garder les deux, Pour moi, le lapin crétin, il symbolise l'immaturité qu'on a tous en nous, c'est-à-dire il y a toujours un moment où l'enfant colérique qu'on a été quand on était tout petit ressort, se manifeste, une espèce de cro-magnon hurlant et bavant qui sort comme ça d'un être éduqué, poli, bien élevé, qui symbolise cet enfant insupportable qu'on a tous réprimé en nous et qui ressort comme ça, qui pointe de temps en temps son nez. C'est comme un gamin de 4 ans, en fait. Il change d'émotion à... En deux secondes, il peut très bien être content, et puis d'un coup, il va voir quelque chose, et puis il va s'énerver, et il va gueuler, et puis il change complètement d'émotion. Et c'est justement ce que je trouve qui est drôle, qui a apporté au personnage, quoi. Ce que je trouve intéressant dans la société d'aujourd'hui, avec un personnage comme ça, c'est justement qu'il autorise ça, en fait. Il exprime ce qu'on n'est pas en droit d'exprimer dans la société en général. C'est-à-dire, pour que la société tourne, on doit tous travailler, être aimable, s'adresser avec respect aux autres. Mais c'est très bien qu'il y ait aussi des espaces où cette colère puisse s'exprimer. Parce que la colère et la frustration qu'on a tous dans nos vies de manière assez naturelle, la vie ne nous apporte pas tout à fait tout ce dont on a besoin pour s'épanouir. Il est souhaitable que cette frustration puisse s'exprimer. Je pense que l'univers des lapins crétins, c'est un espace où ça se produit très bien. Et en plus, c'est un très bon lien entre les enfants, qui sont comme ça, qui sont capables de ça spontanément, facilement et sans retenue. Et puis nous qui le sommes moins, en fait, je trouve que c'est vraiment une espèce de passerelle assez idéale entre tous les âges. Donner la parole à des crétins, c'est quand même peut-être le summum de cet univers, quelque part. Hein. Régler des lapins crétins. Vas-y. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Bob, excuse-moi Bob, merci. Non mais c'est fini. Mais non, je veux pas.